voilà de retour avec Hervé Levr. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, nous sommes un couple nomade qui voyageons sur les routes depuis 2 ans et demi. Bien que nous n'ayons pas beaucoup de contenu à vous offrir pour cette vidéo, nous avons profité de filmer quelques passages en Suisse et voir nos amis et nos familles, rencontres que nous avons gardées pour nous. Oui, exclusivement. Et puis, nous ne voulions tout de même pas rater ce rendez-vous du dimanche. C'est pourquoi, pendant que nous parlons, vous pouvez voir un extrait des activités que nous avons effectuées pendant cette période. Soit un match de hockey et la visite de la fête des tulipes à Morges. Chaque année au printemps, la ville de Morges se part de ses plus belles couleurs avec la fête de la tulipe. Énormément de monde, plus de 300 000 visiteurs avec beaucoup de variétés de fleurs. 350. Et plus de 140 000 bulbes plantés à l'automne. Impressionnant. C'est magnifique. Magnifique. Nous en avons profité pour tester un nouvel achat. Insta 360. D'ailleurs, vous pouvez en voir quelques extraits. T'es bien amusé, hein? Oui. Mais on vous en parlera plus précisément prochainement. Parce qu'il faut la tester. C'est ça. Bien tester. Magnifique week-end où on a pu profiter de bien visiter, revisiter notre région du bord du Léman. Avec une magnifique vue sur le Mont Blanc. Ah. Le temps du retour est arrivé. Et oui, tout a une fin. Ou un recommencement. C'est ça. Ou le début. Ou le redébut. Le soleil s'est pas encore levé. Il est temps de boire son café. Non. Il est temps de partir. Avec un petit 6 degrés ce matin. Ça résonne d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'activité. Il est temps d'aller prendre le train. Avant de prendre l'avion, on a nettement moins de bagages
que lors de la dernière fois lorsque nous sommes partis du même endroit. Bon, juste deux de moins, hein. Mais c'est toujours ça. Mais nous avons eu quelques péripéties avec les vols programmés, notamment celui de Genève à Francfort qui fut annulé. Nous obligeons à passer donc par Munich. Quoi qu'elle a. Ah, Vancouver. Non, on ne va pas à Vancouver. Non, on pourrait aller à Toronto aussi. Aussi. Ou à New York. Oui, mais non. On rentre à la maison. Non plus. Oui. On rentre à la maison. Ça fait depuis 10h40 ce matin que nous sommes là. Il est 15h40. Oui. Alors, pour faire simple, nous devions passer par Francfort. Mais notre vol ce matin depuis Genève a été annulé. Donc, nous avons été replacés sur un vol au transit par Munich, où nous avons bu des bières. Nous avons été très sages. Oui, une bière. Une bière. Et pourtant, 6 heures d'attente. Je veux plutôt vous dire que le temps est long. Et là, on va prendre l'avion et ça va durer 11 heures. Donc autant vous dire que là aussi, le temps va être long. Mais tout ça, c'est pour retrouver notre maison. Allez, d'ailleurs, on se retrouve à Mexico. Et puis, le taux d'attente fut très long. Nous obligeons à nous occuper comme on pouvait. L'aéroport se vide petit à petit, mais l'avion est là. C'est déjà bon signe. Là, on voit même le pilote. Ouh. C'est bientôt l'heure. Le début de l'embarquement, c'était il y a 10 minutes. Donc c'est bientôt l'heure. Enfin, peut-être. C'est l'heure. On peut voir que là, il n'y a personne. D'ailleurs, je pourrais faire comme le guide au pied de la pyramide. Au cinéma, ça s'appelle faire le tour du poteau. Eh, mais t'en as une belle de casquette. D'ailleurs, nous vous en parlerons un peu plus tard. Non, on va vous parler tout de suite. Oui, j'ai une très belle casquette. Et puis, pour ceux qui veulent me commander, eh ben, vous pouvez aller sur notre boutique en ligne. Et oui, on a profité d'être en Suisse pour ouvrir une boutique. Vous pouvez y trouver des mugs, des casquettes et plein d'autres choses. Mais t'es sérieux? Non, c'est pas vrai, on va pas s'amuser avec ça. Au final, le voyage aura duré plus de 26 heures, porte à porte. Arrivé à 7 heures du matin, heure suisse, à Mexico. Bah heureusement qu'on avait réservé une chambre à l'aéroport même. Heureusement que tu avais réservé une chambre à l'aéroport. C'était bien appréciable. Hein. Ah oui. Décalage oblige, c'est donc relativement tôt que nous sommes arrivés ici à Teotihuacan. Nous avions laissé Hervé le VR. Tout ça pour le remettre en route. Il y a de la poussière. Tout sale, tout sale. Et puis alors. Ça va être juste, hein. Il va falloir manœuvrer parce que l'autre fois nous sommes passés par là. Sommes aujourd'hui par là. Il y a un gros truc. Donc ça passe pas par là.
ni par là d'ailleurs. Donc il va falloir la sortir. Par là. Aïe aïe aïe. Bon, on va aller voir dedans, comment c'est ? À voir, il y a encore du jus dans les batteries. Bon, il fait 19, 40% d'humidité. Moi je m'emporte tout ça. On voit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'humidité, il y a juste quelques gouttes à l'intérieur, mais vraiment pas grand chose. Donc ça c'est vachement pratique ça. Mais non, mais... Donc ça c'est aussi pratique. Les affaires d'hiver. Enfin d'hiver, de froid. Va falloir remettre la batterie du véhicule, la rebrancher et puis se déplacer. Quand on vous dit que ça va être compliqué, ça va être compliqué. On refait le chemin à l'envers en fait. Yes. Tu veux un couteau suisse? Bah ouais. Eh ben, je l'ai pas avec moi, mais je peux aller le chercher si tu veux. Ah, voilà. Merci pour... Le couteau suisse. Ouais. Ah, faudra peut-être remettre du scotch, du coup. Bon, pendant que Monsieur Bugnon fait les derniers réglages, elle laisse tourner un petit moment la batterie. Il est parti au quart de tour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est comme on vous l'a dit tout à l'heure, les batteries lithium sont encore pleines. Et là, ça charge déjà. Bah, avec le soleil. Hein. Pour sortir, bah nickel. Ouais, bah c'est grâce au conducteur. Grâce au conducteur. À Carole si... ouais. Et à Patrice. Et à Patrice, voilà, parce que nous, on a retrouvé des copains ici, comme disent certains. On a retrouvé les copains. On a retrouvé les copains. Et bien maintenant, il s'agit de vider les bagages et d'aller faire les courses et de passer à la lavanderia. Nous allons donc rester ici quelques jours pour récupérer du jet lag. Soigner notre rhume qu'on a ramené de la Suisse et préparer la suite. Oui, nous avons ressenti un certain choc thermique. Passons de 6 à plus de 30 degrés. C'est chaud. Alors, à la semaine prochaine! À la semaine prochaine! Pour de nouvelles aventures! Oui. C'est reparti mon kiki! À bientôt! Tchao! Il faudra qu'on nettoie hier les BR. C'est ça, ouais! Est-ce qu'il est un peu dégueulasse? Il y a de la poussière partout!